Salut à tous, c'est Joël d'Epicastor. Donc ben voilà, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous proposer cette magnifique valise métallique Collector Chest qui est sortie il y a quelques semaines déjà. Donc à l'effigie de Mega Rayquaza et de Oupa. Donc magnifique valisette qui ne sortira malheureusement jamais en France. Tout comme la valise précédente qui était à l'effigie de Kyogre et Groudon, qui était très jolie aussi. Et qui aussi n'est jamais sorti en France. Donc voilà, aujourd'hui, donc ça sera cette magnifique valise donc que je vais ouvrir. Donc qui contient 5 boosters et plein de petits gadgets, des stylos, des petits carnets. Donc le contenu est affiché ici, 5 boosters, 3 cartes holo et bien plus. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps. Avec une petite surprise à la fin de cette vidéo, je vous en dis pas plus. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, donc, comme ce sont des cartes anglaises et que les cartes anglaises, bon, j'ai du mal avec les noms des Pokémon, je suis accompagné d'un expert avec moi. Bonjour. Qui m'aidera certainement pour certaines cartes qui, bon, j'aurai un peu de mal au niveau du nom. Voilà, donc, allez, c'est parti. On ouvre cette bestiole. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Non, vraiment un très très joli coffret qui peut servir pour ranger plein de choses. Hop. Voilà, voilà. Donc les 3 cartes promo avec un petit jeton. Donc, Oupa, Pikachu et Marisson, je crois. Oui. L'expert a dit oui. Donc, on va mettre ces 3 petites cartes au fond. Ensuite, on continue avec donc les boosters. Alors, je ne connaissais pas du tout les séries qu'il y avait dans ces boosters. Alors, il y a du Ciel Rugissant, du Primo Choc à Origine Antique. Et quand même 2 boosters. Impulsion turbo. Impulsion turbo. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? 4 petits stylos, crayons plutôt, qui ne sont pas aiguisés, hein, franchement. Oh. Ensuite, alors des stickers, des petits autocollants. Oupa et Pikachu. Voilà, c'est sympa, c'est mignon. Hop, on met ça au fond. Ensuite, encore des stickers. Re ou pas avec Rayquaza. Hop hop hop, on met ça là. Ensuite, oh, j'arrive pas à l'attraper. Hop, voilà un petit bloc-notes. Oh, c'est mignon. Voilà, un petit bloc-notes. Voilà, et ah, un petit classeur aussi. Ah, je savais pas qu'il y avait un petit classeur dedans. Ouais, pour ranger quelques petites cartes. Voilà, ok. Donc voilà le contenu détaillé de cette petite valise métallique très sympathique. Et bien maintenant, on va s'ouvrir vraiment les plus intéressants, hein, je dirais. Les boosters. Donc, ben, allez, on va commencer par Ciel Rugissant. Hop, le petit code online que je mets de côté. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Alors, l'expert. Scorplan. Ah, Scorplan, voilà, j'allais le dire. Aupermine. Aupermine. Drabi, je dirais. Oui. Drabi. Chenipot, non? Oui. Ouais, ouais, Chenipot. Là, c'est gris. Là, je sais pas. J'ai dit, là, Pikachu. Ah. Déflaisant. Oui. Déflaisant. Alors là, c'est Alizé, je crois. Alizé, on va dire. Allez. Méga Turbo. Et là, Stracy. Ah, Stracy en reverse. Stracy, ah ouais. C'est ça, oui. Hop. Papinox. Et un petit Papinox antique pour commencer ce premier booster. Bon, ben c'est sympa. Allez, on continue avec Primo Choc.
Hop. Bon, j'espère qu'il y aura des jolies cartes dans cette valisette. Allez, c'est parti. Alors ça, il me semble que c'est mon Orpal. Ouais, c'est ça. Elexprint. Ou Dynavolt, non? Elexprint? Non, oui. Oui. Oui, quoi? Dynavolt ou Elexprint? Elexprint. Elexprint. Normalement. Ensuite, Minotaur. Oui. Minotaur. Et j'ai l'impression que je suis meilleur que toi, en fait. Skitty. C'est écrit. Rhinocorn. Mascadra. Lien spirituel Gardevoir. Alors ça, c'est Masco, je crois. Ah, un petit Libégon. Un Reverse. Je ne sais plus si c'était une holo dans cette série ou une simple rare. Elle est très jolie. Et Maccargo, alors en français... Volcaropode. Volcaropode, merci. Donc, deuxième antique rare. Allez, on continue. Origine antique. Ah, allez, c'est parti. Ça, c'est bizarre. Les cartes codes sont... Bon, ben, je vous le donne, alors, cadeau. Hop, 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 hop. Les cartes codes sont à l'envers. Alors, hop. Bon, ça, c'est pas trop difficile. Evoli. Misterbe. Oui. Je suis trop fort. Apitrini. Oui. Sepia Top. Oui. Regirock. Lien spirituel Tyrannosif. Alors ça, je sais pas. Alors, c'est Mucustule. Colimucus. Colimucus, ouais, je les confonds. Porygon 2. Reliquant. Tatatan. Lisandre Rivers. Tatatata. Ah, j'ai dû faire un truc qui n'y allait pas. Allez. Ah ben ouais, toutes les cartes codes sont dans un verre. Ah ben alors je vous les donne. Hop. Cadeau. Hop. Alors bon, je vais essayer de ne pas me tromper. Voilà. Hop, hop, hop. C'est bon. Alors c'est Guerriaigle ? Non, Furéglon. Furéglon, ouais, c'est l'évolution Guerriaigle. Ça, je n'en sais rien du tout. L'épidonie. L'épidonie. Non mais j'ai pris un assistant, hein. C'est pas pour rien. Hein. Cacnéa, hein. Ça je sais. C'est écrit. Snubule. Osselet. Ouais. Alors pêcheur. Ça c'est le pêcheur, Fisherman. Botte lourde. Les bottes lourdes. Alors ça c'est Sablette ou Sablero. Sablero. Sablette c'est la petite. Ouais. Ah ben ouais, ben Furéglon. Non, il y en a une derrière. Et Dodrio en rare. Bon. Petit tirage pour cette petite boîte. C'est dommage, j'aimerais bien finir quand même sur un truc sympa. Next. Hop, par exemple, une ex. Mmh. Hop, carte code encore. Ben, ils ont décidé de nous les mettre à l'envers. Hop. Allez, bon, j'espère qu'on va finir comme il faut sur cette deuxième ouverture. Donc, Ferisson. Non, Fennec. Ah, hey. Je crois qu'il se moque de moi, c'est vraiment pas sympa. Il sera puni, c'est pas grave. Ensuite, aide-moi. Étourmi. Marc Acrin. Oui. Ah, encore Sepia Top. Pan d'Espiègle. Ça, je n'en ai aucune idée. Rhinolove. Énergie. Spécial feu. Ouais, spécial feu. Je ne me rappelle plus le nom en français. Oui. J'en ai pas beaucoup ouvert des impulsions turbo. Ça, je crois que c'est N6H. Oui. C'est ça, N6H. Là, c'est la combine de ouais, Giovanni. La combine de Giovanni. Bon, j'espère que derrière, il y a un truc sympa pour clôturer cette ouverture.
Eh ben bon, un brut à librer, rare. Ouais, il n'y aura pas eu vraiment de grosses cartes sur cette série. Enfin, du moins sur cette ouverture. Bon, ben c'est dommage, mais bon. Je vais quand même faire le tour. Bon, allez donc, il y a les trois cartes holo spéciales dédiées à cette boîte. Hop, et puis les quatre crayons. Les petits stickers. Hop, les stickers. Ou pas Pikachu, ou pas Rayquaza. Hop, le petit portfolio. Pour un jet, je ne sais pas trop combien de cartes. Bon, pas beaucoup, mais bon, c'est sympa. Le petit carnet. Pour marquer ce que l'on veut. Et donc, bon, ben, voilà, je vais vous dire la surprise. Donc, ben, c'est pas compliqué. Dans la vidéo, il y a un petit code qui est apparu. Au hasard, n'importe où. Eh ben, le premier qui me donnera en commentaire ce petit code, eh ben, il gagnera tout simplement le contenu. Vous m'avez bien entendu, tout le contenu de cette boîte. Pas la boîte, la boîte, je la garde, désolé. Mais quand même, tout le contenu de cette boîte sera gagné au premier qui me donnera le code en commentaire sur YouTube. Voilà, merci beaucoup. Ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, certainement du XY9 japonais. Donc, ben, à très vite et merci. Bye.